Visibles au pied de la face olympique de Bellevarde, les Mini font en ce moment à Val d'Isère une maxi-impression avec l'arrivée de la Mini Countryman All 4. Ces petites voitures, aux couleurs pétillantes et au look accrocheur, cachent sous le capot une technologie de pointe et des motorisations musclées allant jusqu'à 211 chevaux. Faites pour accrocher la montagne, elle se régale sur la glace et sur la neige. Avec tous ses atouts, la Countryman All 4 devient un joli jouet pour hommes. Je pense qu'avec le Countryman et l'arrivée du Paceman, on va tirer sur ce marché masculin qui mérite qu'on s'y arrête, parce que il faut qu'on tire un trait sur cette image de la blonde centre-ville avec sa petite Mini noire. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients passionnés de voitures performantes qui me posent parfois leur BMW pour partir sur des Countryman à 40 000 euros avec des prépas châssis, des grosses jantes. Depuis des années, c'était avant tout une clientèle féminine. Aujourd'hui, je suis plus tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a 60 ou 65% de clientes qui sont des clientes femmes. Ça va changer avec la Countryman. T'es obligé. Sur le circuit de glace, c'est régal à tous les étages. Une conduite facile, une tenue de cap époustouflante, une osmose totale et contrôlée entre la glisse et le pilote. La Countryman All 4 est née pour coller à la neige. Sur route, c'est un véhicule qui est très agréable à conduire. Après, sur circuit, sur la glace, c'est quand même assez compliqué. Mais, parce qu'on essaye d'accélérer, d'aller un peu vite. Mais une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment agréable aussi et c'est très joueur. C'est vraiment une très très bonne voiture sur glace. La Mini enchante les papas bien sûr et vivement qu'on soit grand pour en profiter. Déjà avec l'antipatinage, elle tenait très bien sur la neige. Elle avait un bon couple pour une simple coupeur. Stéphane conduisait très très bien. Mais à part ça, c'est bon, moi j'ai bien aimé. Mini propose des essais jusqu'à la fin des vacances scolaires. Rendez-vous à l'esplanade du centre aquasportif pour une escapade d'une demi-heure au volant d'un des plus beaux générateurs de sensations du moment.